Allez, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sébastien Vive de Vifoot Télé. Bienvenue donc pour ce live talk avec les supporters de l'OM. On va parler de l'OM ce soir. Donc on va voir, pour l'instant tout le monde n'est pas là, mais on va déjà saluer ceux qui sont là. Il y a déjà Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Salut, bonsoir à tout le monde. Ouais, avec la plage derrière, il y a pire comme cadre. Bah ouais, ouais. Ben, faut profiter de la vie, hein. Ouais. La vie, elle est courte, alors il faut profiter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Romain est là, donc lui, il n'y a peut-être pas la plage, mais il y a un maillot historique derrière. Raconte-nous. Salut. Oui, effectivement. Bonsoir Sébastien, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Le maillot champion d'Europe, enfin la réplique qui a été faite quelques années après. Donc par le site officiel de l'OM. Et il y a le plus marseillais de ceux qui n'ont jamais joué au sein de notre équipe, à côté Zinedine Zidane, puisqu'il est un petit peu d'actualité. Et on aura l'occasion certainement de reparler de lui tout à l'heure dans une des parties que tu vas nous énoncer, Sébastien. Ah oui, c'est le futur coach. Non, non, je tease. Non, j'espère, on espère tous, évidemment. Mais... Alors, du coup, attendez, juste un petit truc... donc alors le programme, effectivement, donc on va, alors il est un peu exhaustif comme à chaque fois et on verra si on peut tout faire ou pas, mais on voulait faire donc supporter ou non un club français en Coupe d'Europe. Bon, c'est, vous me direz, c'est du réchauffé. Ouais, mais c'était pas mal de faire ce débat un petit peu à froid, en fait, hein, dépassionné. Et puis pour les années à venir, les saisons à venir, parce que c'est, comme j'ai mis dans la vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur ce thème-là, ben c'est un marronnier, comme on dit dans le jargon journalistique, où effectivement, ça revient souvent, quoi. Ensuite, les meilleurs joueurs de tous les temps. Alors, on ne va pas faire que l'OM, hein, c'est tous les meilleurs joueurs donc, internationaux, quoi, hein. Donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de joueurs de l'OM malgré tout, même s'il y en a eu de très très bons, et un ballon d'or. Ensuite, une partie Ligue 1, donc avec la saison un petit peu bizarre qui encore se profile avec l'histoire encore du Covid, et le niveau de la Ligue 1, et une autre partie sur la suite de la vente OM avec l'interview de Bouchelal dans la province, et donc ce qui s'ensuit. Donc beaucoup de choses à voir. Bon, j'essaie de timer un peu tout ça. On verra comment on fait au niveau du classement des sujets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par supporter ou non un club français en Coupe d'Europe. Alors, qui c'est qui veut commencer? Je ne veux pas faire d'intro, on va directement mettre des arguments à chacun, comme ça on pourra en parler. Donc juste pour contextualiser tout ça, c'est qu'en fait, c'est un débat qui revient à chaque fois que un club français, alors moi, c'est un peu mon analyse, mais bon, peut-être que vous n'avez pas la même, mais un club français autre que l'OM arrive loin en Coupe d'Europe, que du coup le débat s'anime, faut-il supporter, donc si c'est Paris par exemple, c'est très souvent le cas, mais là c'est, il y avait Lyon aussi, faut-il supporter ce club-là quand on est passionné par un autre club, donc dans l'occurrence nous l'OM, mais c'est valable pour un petit peu tous les clubs. Et donc ça anime les journalistes, ça anime les supporters, ça anime beaucoup de débats, et même la ministre, ça s'appelle Roxana Maricenaou, l'ancienne championne, nous a martelé qu'il fallait supporter absolument Paris, quoi, et l'État qui vous le demandait. Donc un peu bizarre. Alors déjà, sur ce sujet, brièvement, dites-moi ce que vous en pensez, et après on donnera chacun un argument. Qui c'est qui commence? Vas-y Jean-Pierre, je t'en prie. Bah, écoute, bah, merci. Bah, écoutez, moi je vais vous dire ce que je pense. Moi j'ai 48 ans maintenant. Quand j'étais tout jeune, j'ai suivi les exploits de Saint-Étienne en 76 par rapport à mon père qui regardait les matchs. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs, hein, des vagues souvenirs, parce que j'étais vraiment un enfant, hein, en 76. J'avais, je sais pas, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'ai des vagues souvenirs de ça. J'ai des vagues souvenirs de la musique de Saint-Étienne, aller les Verts et tout ça. Donc, je vais dire que la première équipe que j'ai supportée en étant enfant, ça a été Saint-Étienne.
Donc, malgré tout, j'ai vibré pour cette équipe. Après ça, j'ai commencé à supporter l'OM par rapport au Minot, par rapport à la descente et qu'ils ont réussi à garder l'équipe dans l'élite. Et puis après, j'ai aussi eu il y a Bastia aussi, Bastia qui avait fait une je crois qu'ils étaient arrivés en finale. Ah, aussi. Et voilà. Et aussi, ça, bon, je les ai supportés aussi. J'ai regardé ça, ça m'intéressait. Il y avait toute la France qui était là. Bon, j'étais un gamin, quoi, voilà. Donc, j'ai regardé tout ça. Je me rappelle aussi de quelque chose de Toulouse. Toulouse qui avait fait des exploits avec Marsico, qui avait fait des Marsico qui était en feu, qui avait fait des super matchs. Et bon, moi, franchement, quand on parle d'équipe, quand on parle de Ligue 1, je suis à 100% pour l'OM. J'espère que Paris, Lyon vont faire des faux pas, tout ça, quoi, voilà. Parce que je suis à fond pour mon équipe. Maintenant, quand il y a un match en Coupe d'Europe ou tout ça, je vais le regarder, je ne vais peut-être même pas le regarder, mais si j'ai un choix, je veux dire, on préfère qu'une équipe française gagne ou une équipe française perde, là, je veux plutôt espérer qu'une équipe française gagne. Mais je ne suis pas du tout supporter de cette équipe, mais oui, je suis français, c'est une équipe qui fait partie de la Ligue 1, et voilà. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on est. J'ai pu 12 ans. Je suis plus un gamin. Moi, je pense que tous les effets qu'on fait pour être contre telle équipe ou telle équipe, ça a commencé avec Tapie. Tapie et comment il s'appelle, Charles Bietri. C'est eux qui ont commencé à rentrer la culture, on va dire la culture foot et de faire qu'on soit supporter d'une équipe, qu'on contre une équipe et tout ça. Après, il y a Lyon, il y a Aulas qui est rentré là-dedans et qui a commencé à être tout de suite, dès qu'on s'intéressait à un joueur à l'OM, essayer de l'acheter avant. Tout ça, ça fait des choses que maintenant on est contre Lyon, on est contre tout ça. Mais bon, moi ce que je dis... Moi, je travaille dans le tourisme, d'accord. Donc, j'ai la chance de recevoir beaucoup de monde. Donc, je reçois aussi des supporters d'autres équipes. Je reçois des supporters de Lyon. Je reçois des supporters du Paris Saint-Germain. Et bon, à la fin, on est tous des mecs. On a tous une famille. On aime une équipe. On supporte une équipe. Et c'est tout, quoi. Moi, je pense qu'il faut pas que ça aille plus loin. Et donc, moi, franchement, je sais que je suis pas du tout dans votre ligne. J'ai écouté ton édito que tu as fait. Je sais que tu penses que c'est la culture foot, il faut être comme ça. Mais moi, je veux pas te mentir parce que je serais pas honnête et je sais pas. J'ai envie d'être honnête. Moi, quand il y a un club français qui joue en Coupe d'Europe, je préfère que le club français gagne qu'il perde. Voilà. Maintenant, en championnat de France, bien sûr, je préfère qu'il perde, je préfère qu'il fasse un faux pas et tout ça. On parle en Coupe d'Europe. Et voilà. Donc, en Coupe d'Europe, s'il y a un club français qui est là, je préfère qu'il gagne. Moi, je suis envieux de personne. Paris Saint-Germain, il peut avoir des Neymar, il peut avoir tout ça. Bah, tant mieux pour eux, c'est bien. Et nous, on doit faire avec ce qu'on a et on doit grandir avec ce qu'on peut. C'est tout. Moi, je n'envie personne. Voilà. Ok. Eh bien, écoute, c'est ton avis. À chaque fois, on est content quand tu le donnes, parce que du coup, je suis souvent complètement l'opposé. Je suis désolé, mais c'est intéressant, justement. Mais c'est comme je suis, donc je veux pas mentir. On n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Je sais que la plupart, les 99% des supporters marseillais pensent différemment. Je le sais, mais voilà, je le dis. Ah, mais il n'y a pas de souci. Bernard Tapie l'a dit aussi. Roland Courbis, je crois qu'il l'a dit aussi. Enfin, voilà, chacun après son opinion, mais c'est ça qui est intéressant de débattre. Alors, après, c'est vrai qu'avec Romain, on n'a pas tout à fait le même avis. Alors, Romain, ouais, vas-y, je te laisse dégainer. Et après, moi aussi, j'ai. Dégainer, c'est un bien grand mot. Voilà, je déconne, bien sûr. J'ai toujours respect. Vas-y.
Je trouve ta façon de voir les choses, Jean-Pierre, parfaitement respectable, même si évidemment j'ai pas la même. Est-ce qu'il faut supporter un club français en Coupe d'Europe lorsque l'OM n'est pas présent? Pour moi, la réponse est clairement non. Alors je vais essayer d'expliquer ma façon de voir les choses. Je pense que déjà, évidemment, on débat entre supporters de l'OM. Si tu poses la question à des supporters de tas d'autres clubs, moi évidemment j'en rencontre tous les jours également, j'entends beaucoup de gens avoir la même façon de voir les choses que toi Jean-Pierre, mais beaucoup plus pour les supporters de clubs lambda comme Lyon, Bordeaux, voilà, même Saint-Étienne. Évidemment, il y a beaucoup de supporters qui suivent les clubs français. Il y en a beaucoup qui ne les suivent pas également. Et j'en fais partie, et je l'explique principalement aussi par cette particularité marseillaise. C'est-à-dire que j'ai longtemps cherché, avant d'aborder le débat qu'on allait avoir, à essayer d'expliquer cette particularité marseillaise, finalement sans trouver les mots. Et je suis tombé sur cette belle phrase de Steve Mandanda, que vous avez certainement vue, puisqu'on a la chance de l'avoir vue prolongée. Et donc il a communiqué sur Instagram, je crois. En expliquant que l'OM, c'était l'histoire de sa vie, et il écrit: l'OM, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Et effectivement, il m'a permis de pouvoir étayer mon propos par la suite. C'est-à-dire que, sans trouver les mots, pour moi, ce qu'on peut avoir comme sentiment pour l'OM, c'est vraiment inqualifiable. C'est inquantifiable. C'est pas de l'amitié, c'est pas de l'affection. On est plus proche de l'amour passionnel. Voilà, et contrairement à ce qu'on a pu entendre sur l'équipe TV, il n'y a pas besoin d'habiter à Marseille pour pouvoir ressentir l'OM comme on le ressent nous aussi en étant ailleurs, même si effectivement il y a un côté d'attache culturelle qui doit amplifier les choses. Mais moi, l'OM, je vais prendre un exemple. Une femme ou un homme, justement, qui va tromper son conjoint, il n'y a pas forcément de sentiments qui iront avec cela. Et moi, je choisis de ne pas tromper l'OM et je choisis de ne pas lui faire d'infidélité. C'est-à-dire que dès l'instant où l'OM joue, je suis à fond pour l'OM. Dès l'instant où l'OM n'est pas présent, voilà, je ne vais pas supporter d'autres clubs et encore moins d'autres clubs français. Je vais aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Évidemment, quand on suit les compétitions internationales, bon, moi par exemple, donc je suis l'équipe de France, effectivement, même si dans mon degré d'appréciation et d'amour envers le club ou la nation, pour moi, l'OM prime sur l'équipe de France. Quand l'équipe de France est éliminée, pour moi, la compétition n'a plus d'intérêt. Mais malgré tout, j'arrive à regarder la compétition en ayant justement un œil d'analyse. Et puis voilà, je regarde juste parce que par amour du ballon et regarder un petit peu les équipes jouer. Mais ça en reste à ce stade-là. Ça peut être pareil pour les équipes françaises. C'est-à-dire que je vais voir Rennes jouer en Ligue des Champions. Cette année, je vais pouvoir les regarder sans forcément les supporter, mais je vais les regarder sans supporter non plus l'équipe qui est en face. Je vais mettre un bémol à ce que je dis. Dès l'instant où la culture club va prendre le relais, parce que la culture club est quand même très importante dans l'appréciation des ennemis qu'on peut avoir justement en termes de club. Dès l'instant où vous avez Lyon ou Paris, alors pour moi de toute façon, en termes footballistiques, évidemment, je ne veux pas qu'on prenne des propos que j'ai pas, je ne veux pas parler de violence ou ce genre de choses, parce que comme tu le disais tout à l'heure, on est tous des gens qui ont des familles, des enfants, et enfin, ça serait vraiment débile de penser de cette manière-là. Mais moi, je suis dans le paroxysme de la détestation. Hein. Je déteste ces clubs-là, aussi bien historiquement que politiquement, par les images qu'ils ont pu véhiculer dans le passé ou actuellement encore pour l'un des deux clubs que je vais citer. Je les déteste, ce qui veut dire que quelle que soit l'équipe qui va jouer contre eux, je supporterai cette équipe-là, au contraire de ce que je pouvais dire tout à l'heure pour Rennes, sur un match de ce type-là où je ne vais pas supporter d'équipe et je vais essayer de l'apprécier de manière totalement neutre. Voilà. En plus de ces clubs-là, je vais quand même rajouter, puisque je parlais de culture club, des clubs comme Toulon, justement, qui est un ennemi historique de l'OM. Saint-Étienne également et Bordeaux, ce ne sont pas des clubs que je supporte outre mesure lorsqu'ils peuvent jouer. Même dans le degré d'appréciation de la Ligue 1, dès l'instant où je vais avoir ces clubs-là en face d'autres, évidemment, j'aurai une préférence pour l'équipe contre laquelle ces derniers joueront, même si, évidemment, on peut apprécier le classement, les points et ce qui peut arranger l'OM. Donc, moi, la réponse à cette question est clairement non. On ne peut pas supporter de club en Coupe d'Europe, un club qui soit différent de celui de l'Olympique de Marseille. On peut tout du moins essayer de l'apprécier, de le regarder de manière très neutre. Mais encore moins quand il s'agit d'ennemis historiques. Et donc, je salue la belle victoire du Bayern de Munich contre le Paris Saint-Germain.
Donc, j'ai pas regardé le match parce que je poste toujours des mauvaises soirées quand je regarde le PSG, donc je les regarde plus. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la remise de la coupe. C'était vraiment très agréable. Voilà. Vous avez effectivement. Voilà, j'ai un petit peu dire qu'effectivement, la seule étoile de France, elle est là, hein, elle est à Marseille. À jamais les premiers, à jamais les seuls aussi. Hein, c'est ça. Alors, pour un petit peu dire, pour parler un petit peu en préambule, comme je l'ai dit sur ma vidéo, ça doit rester du foot. Effectivement, on doit être dans le respect des personnes. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les personnes en général, l'être humain en général. Vous me verrez rarement clasher sur les réseaux sociaux ou autres, c'est pas mon truc, et encore moins dans la vie. Donc voilà. Donc moi, les débordements qu'il y a eu ici et là, à Marseille ou ailleurs, à Paris aussi d'ailleurs, suite à des matchs de foot, je trouve ça débile et je n'arrive pas à comprendre cette violence. Après, c'est la violence humaine, on va dire. Ça, c'est la débilité profonde de certains de l'être humain. Voilà. Ça, c'est un préambule, mais c'est important de le dire. Parce que du coup, je suis rarement dans la haine, en fait. Je ne suis pas dans la haine humaine. Voilà. Après, je suis, moi, quelqu'un de très supporter. C'est vrai que j'ai toujours été supporter, enfin, dans le foot. J'ai toujours mis de la passion. Et j'ai rarement, rarement un match en étant neutre. La seule fois que ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, effectivement, c'était pour la finale d'Europa League Inter de Milan Séville, où j'étais assez relativement neutre, on va dire. Même peut-être j'avais une légère préférence pour Séville, mais encore que, voilà, peu importe, c'était pour le jeu. Mais d'habitude, j'ai vraiment du mal à chaque match que je regarde à être totalement neutre. Après, ben moi, je suis passionné par l'OM et comme je disais dans ma vidéo, effectivement, pour moi, c'est la culture foot de supporter son équipe et du coup de ne pas supporter les rivaux historiques de l'OM. Alors évidemment, les rivaux actuels, c'est Paris et c'est Lyon. Donc c'est pour ça que ça fait un peu mal au cœur que du coup on soit pour notre club français que le sien. Après, je suis un peu comme Romain, des fois je ne regarde pas, en fait, j'essaie de ne pas regarder parce que ça fait mal au cœur. La demi-finale de Paris, je ne l'ai pas regardée. La demi-finale de Lyon face à Bayern, je l'ai regardée parce que j'étais assez serein, je savais que Bayern allait gagner. Et la finale, bon, mais je l'ai regardée avec mes garçons, on était tous les trois, on ne se donne pas le mot, mais enfin, je fais des émules, hein, donc du coup, comme ils savent que je suis supporter de l'OM, ils sont comme moi, et du coup, ils étaient pour le Bayern. Voilà, après, donc pour moi, ça fait partie du supporterisme normal, voilà, on aime son club, donc on ne peut pas supporter un autre club français que le sien. Alors, je dirais plus les rivaux. Effectivement, moi, il n'y a pas beaucoup d'équipes françaises que je vais regarder déjà et que je vais être pour eux, je dirais à part Lens peut-être, parce que Lens, j'aime bien la ferveur lensoise, le public, les corons à la mi-temps, ça me fait quelque chose. Voilà, et peut-être si Toulouse était en Coupe d'Europe, évidemment, comme Jean-Pierre disait, j'ai vibré, mais là, bon, parce que j'étais toulousain, j'étais jeune, et j'étais pas encore passionné par l'OM de leur épopée en 85 avec les frères Passy, Marsico, face à Maradona, etc. Ouais. Voilà, ça c'est vrai que je l'ai vécu et j'aurais très bien pu être passionné de Toulouse après. Bon, après, c'est vrai que leur histoire a un peu dérapé. Voilà, on s'arrête là et on va tourner pour qu'on ne soit pas trop long et qu'on interagisse. Ouais. Jean-Pierre, est-ce que tu veux interagir? Moi, ce que je veux dire, c'est que quand tu vois des joueurs de l'OM partir en vacances avec les joueurs du Paris Saint-Germain, bon, alors comment tu vois ça? Moi, ce que je pense, que c'est qu'on... Ça, c'est les joueurs. Oui, c'est les joueurs, mais c'est quand même des joueurs de l'OM. Hein. C'est les joueurs de l'OM, c'est quand même important quand même. Hein. Donc, moi, pour moi, c'est de la rigolade. En fin de compte, c'est la plupart des copains. C'est les clubs, c'est les présidents. Ils veulent qu'on se chamaille entre nous pour qu'il y ait des problèmes. Pour que, voilà, c'est comme tu dis, c'est de la culture foot. Je comprends, c'est de la culture foot. Mais moi, je suis français, cette culture foot que peut-être ils ont en Italie ou je sais pas, ou en Angleterre, ouais, c'est ça, truc, hein. Moi, je l'ai pas. Je serais menteur de te dire que j'ai cette culture-là. Et moi, j'ai compris pourquoi il y avait des problèmes entre les clubs. C'est, en fin de compte, c'est juste les présidents, les télévisions qui recherchent des problèmes entre les clubs. C'est seulement ça.
c'est pour faire marcher le business. Ouais, alors, et nous les supporters, la plupart des supporters, eh ben on rentre là-dedans. Moi, j'ai un regard un peu, j'avais peut-être le même regard quand j'étais plus jeune. Maintenant, je commence à comprendre un peu plus la vie et je vois les choses différemment. Voilà. Ouais, alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, je suis un peu, en fait, je suis d'accord avec toi, mais plus maintenant. C'est-à-dire que ce que tu dis là, cette rivalité qui a été montée de toutes pièces par Bernard Tapie, hein, Bietri, Aulas. Voilà. Et avant, il y avait Bordeaux avec Monsieur Bèze. Oui. Et oui, Toulon aussi. Et voilà, Saint-Étienne. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que à cette époque-là, je suis d'accord. Effectivement, ça a été monté de toutes pièces. Et du coup, les présidents jouaient beaucoup avec ça. Tapie jouait avec ça. Aulas, il joue encore avec ça. Je suis d'accord. Mais maintenant, j'ai l'impression que, bon, à part Aulas, on va dire, à la limite, tous les autres présidents, honnêtement, ils n'ont pas du tout la culture club, la culture OM. Jacques Arriero, c'est pas un passionné de l'Olympique de Marseille. Hein. El Khalafi, bon, mais il est nommé par Paris, voilà. Et beaucoup d'autres encore. Donc, je pense que c'est vraiment la culture maintenant et reste la culture des supporters, en fait. On va dire c'est les ultras parce que on est beaucoup. Alors par exemple, je suis sur l'OMC, nous, Romain le sait, du coup d'ailleurs je fais les émissions en commun avec eux. On a un groupe de discussion sur les administrateurs du groupe, on est je sais pas combien, une dizaine peut-être. En fait, il y en a un qui pense comme toi, si tu veux, et tous les autres on est contre le truc. Donc je dis pas que t'as tort, c'est pas ce que je te dis, mais tu vois, c'est impossible de dire ce que je dis pour un quelqu'un qui travaille pour une chaîne de l'OM ou quoi que ce soit. C'est impossible de dire ça parce que les supporters de l'OM, ils ne veulent pas écouter ça. On peut pas leur dire ça. Quand Tapie dit ça, les supporters de l'OM, il dit ça va pas bien là. Tapie, il a du mal là. Ça va pas. Quand Jean-Pierre Papin, il dit ça aussi, c'est pareil. Les gens ne veulent pas, ils peuvent pas écouter ça. Et à la limite, je le comprends. Je le comprends parce que c'est la masse. C'est la masse. Mais bon, moi, je réfléchis autrement. Et je pense qu'on utilise les supporters pour leur donner certaines choses, et après, nous, en tant que supporters, on suit. Ben, moi, je ne suis pas. Voilà. Ouais, non, mais après, c'est respectable. Moi, j'en ai un très bon ami qui est supporter de... Enfin, spectateur, on va dire, j'emploie le bon mot, spectateur de foot, il se reconnaîtra. Salut David, qui est supporter de Lyon, parce que bon, sa famille est de Lyon, hein, mais il est juste spectateur, on va dire. Voilà, il est spectateur. Mais... Et donc, lui, il ne vit pas pareil. Donc, forcément, quand je discute avec lui, je termine juste deux secondes, lui, ben, il ne comprend pas mon raisonnement. Et effectivement, lui, il supporte les clubs français. Et toute l'année, il ne va pas être pour Paris, mais il va supporter Paris. Il ne va pas être toute l'année pour Marseille. Mais à la limite, lui, il n'est même pas supporter de Lyon. Tu vois, il n'a pas tellement de clubs. Ouais. Attitré, quoi. Il s'en fout. Non, mais moi, regarde le final de Lyon, il n'a pas regardé. Moi, c'est différent. Moi, je suis supporter de l'OM 24 heures sur 24. Voilà, je suis vraiment supporter de l'OM. Je me lève OM. Quand je me lève, je prends mon mobile, je regarde s'il n'y a pas des trucs. Et avant de dormir, je suis tout le temps sur l'OM. Ma femme, elle est dégoûtée, quoi. Je te dis franchement, je suis vraiment supporter de l'OM. Mais voilà, je suis supporter de l'OM à fond. En Ligue 1, mais quand il y a des matchs en Coupe d'Europe et s'il y a une belle épopée, ben je regarde, c'est tout. Maintenant, j'étais pas quand il y avait la finale du Paris Saint-Germain, j'étais pas allez Paris, bien sûr que non. J'étais voilà. Tout à fait. Tu voulais revenir au même ou sinon c'est un autre. Oui. Je voulais dire, pour les ultras, moi je suis adhérent aux ultras depuis plusieurs années. Effectivement, ouais. Les ultras ont certainement la même manière de penser que moi. Par contre, je peux t'assurer qu'il n'y a pas que les ultras qui pensent de cette manière-là. Dans mon entourage, j'ai énormément de supporters de l'OM, voire exclusivement, dans mon entourage très proche, on va dire, des supporters de l'OM, donc qui ne sont pas des ultras, qui font certains déplacements quand ils le peuvent, qui regardent tous les matchs.
qui vivent Marseille et l'Olympique de Marseille comme toi, comme moi, justement, du matin jusqu'au soir. Mais tu leur feras pas avaler la pilule de supporter le PSG ou Lyon en finale, en demi-finale. Non, ce que je te disais, c'était une pensée ultra au départ. C'était une pensée ultra au départ. Ils ont les supporters ultra, ils ont beaucoup de pouvoir à Marseille et ça donne le ton pour les autres. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est ce que je dis. Comme tu le prouves d'ailleurs, on a tous quand même une liberté de penser. Heureusement, on n'est pas obligé de suivre toujours la masse. Moi, pour ma façon de penser, si tu veux, tiens, j'en discutais encore avec des gens tout à l'heure à la salle de sport. Enfin voilà, ils me voient comme un extraterrestre, mais il n'y a personne qui me l'addicte, si tu veux. Parce que bon, ce sont des supporters lambda, hein, des spectateurs du PSG, parce que j'ai du mal à dire qu'ils ont des supporters. Mais donc, on pouvait en discuter. Et évidemment, le premier me dit oui, mais avec des gens comme toi, on peut pas avoir de discussion possible parce que peut-être, mais je vois les choses de cette manière-là. Et pour le coup, je peux t'assurer que c'est, enfin, on se connaît très peu. Si on se connaissait plus, tu verrais que je suis loin d'être quelqu'un qui se laisse dicter une façon de penser et loin d'être un mouton. Non, non. Tu vois ce que je veux dire. Mais je l'accorde effectivement, mais... si ça fait pas, si ça fait partie de la culture des ultras aussi, de ne pas aimer les. Exactement. Ce que je veux dire. Je suis désolé si je t'ai blessé en disant ça. Ah non, j'ai pas voulu te blesser en disant ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on entend depuis tout petit qu'il faut détester Paris, qu'il faut détester Lyon, eh ben, ça rentre dans la tête. Et puis c'est comme ça, voilà. C'est ça que je veux dire, voilà. Ouais, alors je suis un peu d'accord. Jean-Pierre, je voulais juste compléter sur ça. Moi, c'est un peu la réflexion qui m'est venue, en fait, en regardant la demi-finale de Lyon et le quart de finale de Paris et la finale de Paris, où, en fait, j'ai plus de mal, en fait... quand j'ai regardé les matchs de Paris, c'est mon fils qui me faisait remarquer, mon fils cadet là, de 11 ans, qui me disait, mais c'est pas l'OM, papa. Je râlais comme si c'était l'OM. Quoi. Alors que, en fait, avec Lyon, j'étais pour absolument les adversaires de Lyon, mais quand Lyon a battu Manchester City, j'ai pu dormir la nuit. Quoi. Voilà, je veux dire, ça ne m'a pas traumatisé. Outre mesure. Après, aussi parce que je sais que Lyon ne va pas gagner la Ligue des Champions. Il y a aussi ce côté sérénité, alors que Paris, je sais qu'il risque de la gagner un jour. Quoi. Et juste, je voulais rajouter un dernier truc. Par contre, pour moi, il y a quand même, effectivement, tu as raison sur l'historique de Paris, mais il y a quand même une rivalité Paris et, je ne vais pas dire la province, parce que ça, je ne parle pas comme les Parisiens, moi. Et Paris et les autres villes, quoi. Il y a quand même une rivalité. Enfin, ce que j'ai expliqué un peu dans la vidéo, et que, alors, on n'est pas tous à penser comme ça, nous, dans le sud-ouest ou ailleurs, mais je sais que c'est quand même, il y a beaucoup de gens qui le pensent comme ça, où on a un peu marre, en fait, de l'arrogance parisienne. Alors, attention, quand je dis ça, ce n'est pas généralisé. Je ne généralise pas. Voilà, attention, hein. Entre parenthèses, mais l'arrogance des médias parisiens, l'arrogance des bien-penseurs parisiens, le gouvernement, etc., etc., qui donnent une façon de penser, c'est eux qui ont raison, et, enfin, je sais pas, vous regardez les infos, ils vont donner les infos de Paris, alors certes, il y a 11 millions d'habitants, mais enfin, on est quand même 65 millions, 67 en France, il n'y a pas que Paris, ils vont parler de la météo, il pleut, oui, parce qu'il pleut à Paris. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas que Paris n'est pas le centre du monde. Donc, il y a vraiment cette rivalité-là. Et plus, après, alors attention, je généralise pas non plus, attention, mais il y a beaucoup de mentalités, en fait, de certains Parisiens qui sont arrogants. D'ailleurs, si on est détesté à l'étranger, mon copain que je parlais tout à l'heure, David, moi, Dijon, je te salue, on était à Londres ensemble, et il y avait des étrangers, alors, ils parlaient anglais, moi je ne comprends pas trop l'anglais, mais lui, comme il est prof d'anglais, forcément il comprenait. Et il entendait dire que, en fait, les Parisiens, ils en avaient marre parce qu'ils arrivaient, ils se sentaient chez eux, ils étaient arrogants. Alors, enfin, tout ça pour dire qu'en fait, cette rivalité, la capitale et le reste de la France, c'est quand même présente. Donc, c'est pour ça que, aussi pour moi, quand il y a Paris qui joue, il y a aussi ça qui joue, en fait. C'est que je n'ai pas envie qu'après, on en fasse des caisses sur Paris, la capitale. Pour moi, c'est un peu difficile de dire ça parce que moi, je suis né dans la région parisienne. Donc, étant né dans la région parisienne, je ne peux pas dire que les Parisiens sont... Bon, même si c'est vrai... Tu peux le dire, il y en a plein qui le disent. Hein. Il y en a plein qui en ont marre et qui partent.
Même si c'est vrai, s'ils sont prétentieux, bah oui, bah moi je suis parti, hein, donc je suis parti à l'âge de 16 ans, donc voilà. Bon, écoute, moi, pour le coup, je suis originaire de l'Oise, donc à 70 km de Paris. Je vais couper, là, je voilà. coupe là. Voilà. sans généraliser ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, ce sont des choses qu'on entend souvent. Bon, après, à l'étranger, on stigmatise souvent le français comme étant un parisien, de manière générale aussi. C'est pour ça. Voilà. Faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, je rebondis juste sur une chose. Il y a 2 ans, on était en Coupe d'Europe. Moi, je n'ai pas vu le ministre des Sports se déplacer pour expliquer que tout le monde devait supporter l'OM. Hein. Mais de toute façon, on avait, je crois, j'ai l'impression qu'on avait la France derrière nous. Oui, moi je pense qu'en 2018, il y avait vraiment, j'avais vraiment dans tous les médias, je veux dire, c'était fort quand même, la finale qu'on a eue. Mais regarde Jean-Pierre, quand Aulas, certains supporters l'ont remis au bout du jour, le club, là c'est même pas les supporters, c'est le club OL. A tweeté qu'il voulait une victoire de l'Atlético de Madrid, et quand l'Atlético de Madrid a gagné, il en a fait des caisses. Pareil pour Paris, ils ont chambré ouvertement le compte officiel. Mais c'est Aulas, il joue, parce que Aulas, ce qu'il veut, il veut que la Ligue 1 fonctionne bien, qu'elle monte, que ça bouge. Donc lui, c'est même, à mon avis, ça le fait rigoler, il s'en fout. Dès qu'il y a un joueur, dès que l'OM s'intéresse à un joueur, tu vas voir tout de suite, dans le 24 heures après, l'OL est dessus. Toujours, toujours, ça a toujours été comme ça. Il fait exprès, c'est le petit jeu de bataille. Et maintenant, il veut, Aulas, il a intérêt que l'OM-OL, ça soit plus important que PSG-OM, que ça soit un match plus important. C'est son intérêt. Voilà, c'est tout. Et c'est du business, c'est que ça. Ouais, mais si tu veux, là où tu vois, alors bien sûr, je fais un petit peu l'anti-parisianisme peut-être, mais il y a des faits quand même qui sont là. C'est que quand je remonte très loin, là, hein, je l'ai dit dans la vidéo, mais ça m'avait marqué, en 93, à la finale, quand on est en finale de la Ligue des Champions, ben, pour moi, ça serait logique de reporter le match d'avant. Le match d'avant, en l'occurrence, c'était Valenciennes. Donc, ouais. Il aurait juste avancé au vendredi. Alors que la finale était le mercredi. Donc, ce n'est pas quand même avantageux un club français de ne pas reporter ce match. Enfin, à Paris, ils ont demandé le report de Lens. Après, ils l'ont eu, tu vois. Donc, déjà ça. Pareil pour en 2018, quand on est en finale de l'Europa League et qu'avant, on a fait la demi-finale et tout, on ne nous a pas reporté le match. D'ailleurs, on loupe la Ligue des Champions à cause du match de Guingamp quelques jours avant, quoi. Oui, vraiment. Donc, si vraiment le football français défend tous ces clubs français, bah, à ce moment-là, aidez-nous, les gars. Aidez-nous et faites les avancées. Oui, on aurait dû être un peu plus costaud et faire des demandes un peu plus importantes. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, il y a un peu de poids de mesure. Ouais. C'est ça que je reproche. Et quand c'est Paris, bizarrement, ils obtiennent, tu vois. Alors, c'est pas une phobie que je fais ça. Mais c'est sûr, de toute façon, ils sont à Paris. Tout se passe à Paris. Donc, c'est ça. Et les gars, ils mangent ensemble, ils se connaissent. C'est des amis, voilà, c'est sûr. Parce qu'ils sont à côté, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre Jacques Henry à Paris 24 heures sur 24 et qu'il s'occupe de toutes du ces choses-là. Voilà. C'est une bonne idée. Qu'il s'occupe de Marseille et pour toutes ces choses-là qu'on a parlé, quoi, pour que ça fonctionne. Tu sais, il y a par exemple sur un terrain, t'as les 11 titulaires, après t'as les remplaçants, et après t'as les gars qui sont même pas remplaçants. Moi, Jacques Henriero, je le mettrais à cette place-là. Ce serait pas mal. Bon. On va pas refaire le débat. Vous êtes trop dur avec mon cousin. Voilà. Mais comment dirais-je, je reviens sur 2 choses, oui, parce qu'évidemment, tout à l'heure, quand tu parlais de l'arrogance de certains Parisiens, il ne faut pas oublier non plus que donc, en région parisienne, c'est certainement la région où il y a le plus de supporters de l'OM. Hein. La discussion qu'on a sur ceux qui voulaient mettre leur maillot, là, les touristes qui étaient à Marseille, qui voulaient mettre leur maillot du PSG, moi, je peux te garantir que j'en ai vu qui mettent, qui continuent de mettre. Ouais. Quand je vais sur Paris parce que ma mère habite là-bas, je vois des maillots de Marseille, des joggings. Mais c'est la banlieue quand même. Hein. Malgré c'est la banlieue quand même. C'est la banlieue, c'est pas Paris-Centre.
Même si, sur si, Paris, je t'assure. Ouais, même sur Paris. Je te donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à Clignancourt, justement. Donc, tu vois, Clignancourt, je connais. On est vraiment dans Paris. Et j'ai le souvenir. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vérifierai tout à l'heure et certains vont pouvoir regarder si ce que j'ai. On a dû jouer un match contre Nice qu'on a gagné à l'époque. On a gagné 2-0 ou 2-1. Il y a eu un but de Sitchef et Van Buiten, justement. Il faudra vérifier ça. Ah, Sitchef, là, là, là. Voilà. Et donc, le Clignancourt, c'est ouvert le samedi, le dimanche et le lundi. De toute façon, tu peux pour aller au plus, c'est que sur ce jour-là. Le week-end qui suivit, j'ai vu deux types, donc un Sitchef, un Van Buiten, comme un clin d'œil, se balader justement avec des maillots de Marseille à cet endroit-là. Il y en a, et ça fait des années que ça dure. Il y en aura toujours. La deuxième chose, je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, sur les joueurs qui partent en vacances ensemble. Tu soulèves effectivement finalement quelque chose d'assez important parce que moi, pour le coup, c'est quelque chose, sans aller dans l'extrême évidemment, qui ne me plaît pas. Moi, je respecte Dimeco qui t'explique qu'il a pas le courage et surtout pas l'envie, parce que du courage, il en a eu et il en a toujours, de commenter la finale des Parisiens. Moi, j'admirais les classicos tels qu'ils étaient. Bon, déjà... On est obligé quand même de voir les choses telles qu'elles sont. En plus, il y a plus d'équité hein, entre les deux équipes. Donc, c'est encore plus difficile pour nous. Mais je vais juste parler après de l'approche des matchs, etc. Moi, j'aimais les classicos des années 90 et encore dans les années au début des années 2000 aussi, où dans le tunnel, il n'y avait pas de bise, il n'y avait pas de claque sur l'épaule. C'était un œil noir. On allait tout donner sur le terrain. Et voilà, les Marseillais et les Parisiens, il y avait une vraie rivalité entre les joueurs. Et ça se ressentait jusqu'en équipe de France, puisque je ne sais plus quelle année, c'était en 94, je crois qu'on ne se qualifie pas, parce que l'atmosphère au sein de l'équipe était dégueulasse. Parce que c'était demandé par le président. Après Jean-Pierre. Le président demandait ça. Jean-Pierre, juste pour élargir le débat, c'est pas qu'en France, hein, c'est que, comme je disais dans ma vidéo sur la culture foot, c'est dans où effectivement il y a une vraie culture football, parce qu'en France, même si on est un peu mieux depuis que la France a été champion du monde une première fois, puis une deuxième fois, on n'est quand même pas une vraie culture foot. Merci pour la bière, hein, pour Jean-Pierre. On va s'en direct. Du coup, je me perds. Non, c'est bon, je me rattrape. Et en fait, dans les autres pays, là, j'écoutais, en fait, quand ils en parlaient, le Football Club de Marseille, là, sur le débat la semaine dernière, où ils parlaient de ça. Ils parlaient en Espagne, les télés de madrilènes, quoi, qui parlent du Real à longueur de journée, elles font des émissions type After Puissance 10, c'est-à-dire ils clashent en direct. Et ils font de ces choses contre le Barça, c'est un truc de fou, quoi. Là, au lendemain du match contre le Bayern, je n'ai pas vu, moi, mais après ce qu'il disait, le gars, il arrive, il chante, il danse, il chambre les Barcelonais. En France, on ne verrait quand même pas ça aussi loin. Donc, cette rivalité en Espagne, Barcelone-Paris, Barcelone, c'est un petit révélateur, Barcelone-Madrid, où effectivement, il y a la capitale aussi et la Catalogne, mais au niveau club aussi. Les rivalités Atlético de Madrid et Real, Atlético de Madrid, Barça, etc. En Italie, la Juve, Fiorentina, Inter, Milan, etc. Les rivalités, et rivalités Nord-Sud aussi, Napoli et le reste du Nord. En Angleterre, Manchester, United, Arsenal, Tottenham, etc. etc. Enfin, il y a des rivalités partout, tous les championnats où il y a la culture foot, quoi. Donc, ce n'est pas que le fait que Aulas et Tapie se soient rangés pour que... Ils ont voulu donner la culture foot. Ouais, voilà, et ça, ils ont commencé là-dedans. La culture club, les gars. Voilà. On parle de culture foot, mais c'est surtout la culture club. Ouais, enfin, je préfère insister sur le terme. Oui. Et évidemment, je pense que d'ailleurs, je me trompe peut-être, mais moi, dans ma perception des choses, cette culture club, finalement, on la tient un peu d'Italie, parce que je pense que c'est là-bas où c'est encore plus marqué. Évidemment, en Espagne, on fonctionne en région. La Catalogne supporte pas le Madrid et réciproquement. Mais je trouve que là où, en tout cas, ça l'était plus et ça l'est certainement toujours, c'est en Italie, quoi. Il y a déjà en plus les clubs comme Milan ou Rome. Qui sont scindés en deux, en plus avec une grosse partie politique, parce que c'est là où en plus on trouve et le foot et la politique, donc c'est encore plus clivant. Donc cette culture club, je pense qu'elle nous vient surtout d'Italie. En Angleterre, évidemment, en Angleterre, c'est dur.
En Angleterre aussi. Ouais, non, non, en Angleterre aussi. Hein, c'est... Avec le, en plus, j'ai, à l'époque, j'ai beaucoup d'anglais dans ma famille. Et donc, c'est très. Les clubs, entre eux, ils se haient et tout ça. Mais c'est ouais, ouais. Après, pareil, moi, après comme, ouais. comme tu le disais, Jean-Pierre, parce que, évidemment, je sais qu'on me trouve toujours un peu extrême dans mes propos, je tiens à préciser que tout ce que je dis, évidemment, reste dans le domaine de la tolérance. Hein. Je ne parle pas de violence ou de choses comme ça. Oui, bien sûr. Je ne légitime pas ce genre de choses. Je parle de culture club, je parle de. Du combat entre les idées que peuvent véhiculer les différents clubs, ouais. Mais point, je vais pas plus loin moi que ça. Moi je suis pareil, Romain, juste je sais pas, un tweet, une fois j'avais fait un tweet que certains supporters n'avaient pas compris, que vous l'aurez compris tout le monde, Jacques-Henri Hérault, je le porte pas dans mon cœur en tant que supporter, mais par contre j'avais fait un tweet où quand il avait eu des menaces de mort, je crois que c'était sur sa famille, en fait sur sa fille, etc. Où là j'avais tweeté en disant, je suis désolé, on peut être contre sa présidence, mais pas contre la personne, quoi. Donc quand il y a pas le respect de la personne, là on dépasse. Sur foot, au contraire, on n'est pas... Évidemment, mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette particularité marseillaise où on apprécie tout dans la passion, enfin, c'est ça aussi, tout est démesuré. Jacques-Henri Hérault, c'est certainement quelqu'un de très sympathique, mais il est jugé par rapport à la fonction qu'il exerce au sein de l'Olympique de Marseille, et quand on voit ce que la place de l'OM, donc chez les supporters de l'OM, et encore plus chez les Marseillais d'origine, il faut comprendre que voilà, qu'il puisse ne pas être apprécié à sa juste valeur. Évidemment, moi non plus, j'ai rien contre lui, si ce n'est que je ne supporte pas sa présidence et la façon dont il a géré l'OM. Mais au-delà de ça, surtout quand il est arrivé, je le trouvais très sympathique. Il y a des choses qu'il a très bien faites. Ouais, mais tu sais qu'en 2017, Hérault, c'était un des hommes français les plus appréciés en France. En 2017. Ouais, incroyable, parce qu'après à l'OM, 2017, voilà. On va peut-être terminer sur ce débat. Juste, je voulais dire que moi, il y a une autre chose. Bah, du coup, j'avais le débat avec le groupe là, de OMC Nous. En fait, moi, je disais aussi que je suis attaché au palmarès aussi, au palmarès de l'OM, de notre club de cœur. Et si Paris gagne la Ligue des Champions, non, ils n'ont pas gagné. Donc, on ne peut pas le dire cette année, en tout cas, une saison, on est tranquille. Ben, il deviendrait officiellement le club le plus titré en France. Car ils ont 9 titres de champion, comme nous. Bon, ils ont plus de Coupes de France maintenant, ils nous ont passé devant. Mais comme ils n'ont pas la Ligue des Champions, ils restent derrière nous, quoi. Et s'ils arrivent à gagner la Ligue des Champions, ben, ils seront officiellement devant, quoi. Et ça m'embêterait, franchement. Moi, ça ne va rien changer à ma vie. Hein. Non, mais bon, évidemment, ça ne change rien à ma vie. S'ils sont premier ou deuxième. Si c'est toujours Marseille les premiers qui ont gagné la Coupe d'Europe, et puis voilà, Paris c'est un moment. Paris, pour l'instant, ils ont plein de fric, ils peuvent faire des grandes choses, mais ça va durer combien de temps? On ne sait pas ça. Peut-être que dans quelques temps ils vont en avoir marre et puis ils vont faire autre chose, et puis voilà, et puis après qu'est-ce que ça va être Paris? Voilà, et nous, faut pas penser aux autres. Nous, on doit grandir tout seul. On doit grandir tout seul et faire les choses et grimper au sommet avec le temps. Faut pas rêver. À moins qu'il y ait un État saoudien qui vient et puis qui met le pognon. C'est bien. Ok, oui, allez. Mais par contre, on les critique pas mal, les Parisiens, par rapport à ça. Donc, faut être honnête, faut dire la vérité. S'il y a un État qui vient et qui met de l'argent, eh ben, on va le prendre, l'argent. C'est tout. Ah non, mais moi, pour ça, je suis honnête. Effectivement, moi, je l'ai dit des fois, peut-être pas en vidéo, mais des fois sur des lives. Je cracherai pas, effectivement, sur un État qui viendrait, qui aurait un budget limité pour l'OM. Franchement, je suis honnête avec là. J'aimerais être à la place de Paris, ça, clairement, je vous le dis. Hein. Enfin, avec l'équipe. Ouais, l'équipe.
Voilà, ouais, moi, je pense qu'en plus, quand on critique l'investisseur, de toute façon, on ne critique pas forcément. C'est même pas critiquer l'investisseur, c'est l'investissement, parce que il faut quand même se dire que, évidemment, quand tu es le plus grand club français et puis que tu vois ce club-là évoluer de cette manière-là, il y a une sorte de frustration aussi qui émerge. Hein, donc, il faut le dire parce que c'est la vérité. Au-delà de l'investisseur, c'est l'investissement, moi, qui me gêne, puisqu'on n'est pas capable de pouvoir faire la même chose ou alors se comporter dignement, en tout cas en termes d'investissement. Je reviens sur ce que tu disais, Jean-Pierre, tout à l'heure, qui était intéressant aussi, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. Moi, foncièrement, que le PSG, évidemment, ça m'embête qu'il gagne la Ligue des Champions. On ne va pas reprendre les débats qu'on a eus juste avant. Mais ce qui me gêne le plus, et j'avais fait un tweet justement qui allait dans ce sens-là, et tu l'avais, Sébastien, tu l'avais retweeté, c'est de se dire qu'en fin de compte, nous, notre club, il est incapable de pouvoir prétendre à la gagner une deuxième fois pour l'instant. Tu es incapable de prétendre quasiment à sortir des poules à moins d'un miracle. Quand c'est Barcelone ou le Real de Madrid qui la gagne, le club rival n'est pas content que l'OT ait gagné. Mais ce n'est pas grave, l'année d'après, le rival, il est présent, il sait qu'il a les possibilités, il sait qu'il a les investissements nécessaires pour arriver dans le carré final et prétendre à la gagner une nouvelle fois. Nous, là, en ce moment, on est content d'être qualifié en Ligue des Champions. Voilà, ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est que notre club ne soit pas en mesure de pouvoir prétendre tous les ans à rivaliser, au-delà du fait que le PSG puisse la gagner. Donc, voilà. Il faudrait, pour ça, il faudrait ou avoir des investisseurs beaucoup plus importants ou que les supporters eux-mêmes investissent de l'argent les socios ou quelque chose comme ça, c'est la seule solution. Faut travailler avec le temps, voilà, faire les choses bien comme ils se font en ce moment, parce que moi ce que je vois en ce moment c'est que petit à petit on fait des choses pas mal. Donc pourquoi pas. On va pas faire ce débat, on va rester dans le sujet. Okay, je voulais faire la transition donc pour le deuxième sujet. Juste pour rebondir à ce que tu disais, Romain, c'est qu'effectivement Paris, ben c'est les investissements qui nous dérangent. Par exemple, là par exemple, Messi va partir, donc c'est pour ça que je fais le lien avec le deuxième sujet. Messi a indiqué qu'il voulait partir. Et on sait que ben, Paris, je pense qu'il n'ira pas là-bas, mais en tout cas, ils ont les moyens de le faire venir, quoi. Voilà, ça, c'est avec les budgets illimités. Donc, du coup, c'est...